De Maxime, son frère exilé au Canada, Camille Santoro dit qu'il est le premier et le meilleur ami qu'elle ait jamais eu. Nombre de ses abonnés ont découvert ce dimanche 5 février que la fratrie de la ravissante blonde était plus large que ce qu'ils croyaient. Surprise. Dans la famille Santoro révélée par l'émission Famille Nombreuse La Vie en XXL, il y a Mattia, Mae, Nino, Alessio, Amy et Alba, les six adorables bambins, et Nicolas et Camille leurs heureux parents. Un temps superstar du programme, comme la famille Pélissard, ils ont décidé de s'en éloigner pour vivre une nouvelle aventure. Ils ont toutefois pris un chemin aux antipodes d'Amandine et Alexandre reconvertis dans le X et les contenus pour adultes sur de célèbres plateformes. Pas vraiment la tasse de thé de la ravissante et chic blonde qui elle a préféré créer sa marque de vêtements ultra chic pour enfants, 10 novembre. Il y a peu, Camille Santoro avait bouleversé ses admirateurs, révélant la lourde symbolique attachée au nom de sa marque. La mère de famille avait ainsi confessé rendre avec ce nom, un hommage appuyé à l'un de ses frères décédés. Très attachée à sa famille, la jeune maman avait plus tard expliqué son désir de s'envoler, pour quelques mois, ou quelques années au Canada, où vit son autre frère, Maxime. Un désir encore à l'état de projet mais auquel elle semble fermement attachée. Un air de famille? Et si certains internautes savaient que Camille Santoro avait également une sœur, très discrète parfois aperçue dans ses stories, beaucoup ont découvert grâce à la publication de ce dimanche 4 février que la jolie blonde en avait en réalité deux. Elle s'est ainsi dévoilée avec ses cadettes indiquant simplement en légende, avoir des sœurs. Je suis surprise d'apprendre que tu as deux sœurs. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait que celle avec le beau petit chien. Vous êtes combien de frères et sœurs? Quelle surprise, je ne savais pas que tu avais des sœurs, ont déclaré des abonnés stupéfaits. Ils ont toutefois immédiatement fait bon accueil aux cadettes de Camille Santoro. La publication a immédiatement divisé les internautes en deux clans, ceux qui estiment que les filles n'ont rien en commun, vous ne vous ressemblez pas je trouve, et ceux qui leur ont immédiatement remarqué de troublantes similitudes, quel air de ressemblance quand on a les jolies fossettes, même nez. Trop belles les filles. Ils ont toutefois tous été d'accord sur un point, la fratrie de Camille Santoro est adorable à regarder, et leur complicité fait plaisir à voir. Camille et Nicolas Santoro ont, il y a peu, décidé de passer plus de temps en famille, un tel accueil les incitera sans doute à partager ces doux instants.